L'anniversaire du plus jeune enfant du duc et de la duchesse de Sussex, Lilibet, a coïncidé avec les célébrations du jubilé de platine de la reine cette année et l'anniversaire des Archimonde-Baton-Windsor tombant le même jour que le couronnement de son grand-père est une heureuse coïncidence, a déclaré un expert royal. Buckingham Palace a annoncé mardi que le nouveau monarque, 73 ans, sera couronné le 6 mai 2023. Camilla, reine consort, sera couronnée aux côtés de son mari. Mais la date tombe le même jour que le 4e anniversaire d'Archimonde Baton-Windsor. Quelque chose décrit comme une heureuse coïncidence par l'experte royale Cathy Nicole. Elle a déclaré, avoir le couronnement le jour de l'anniversaire d'Archie n'est certainement pas un camouflet. Elle a ajouté à Entertainment Today, de toute évidence, une énorme quantité de planification doit être consacrée à un moment important de l'histoire, comme un couronnement, et le calendrier royal regorge d'anniversaires et d'anniversaires. Elle a ajouté qu'elle pensait que c'était absolument l'une de ces occasions où s'y estie une coïncidence et, espérons-le, une heureuse coïncidence. Madame Nicole a ensuite ajouté qu'il reste à voir si le duc et la duchesse de Sussex assisteront à la cérémonie l'année prochaine. La liste des invités et des participants attendus n'a pas encore été rendue publique. Le prince Harry, qui est le plus jeune fils du monarque, a émigré en Californie avec sa femme Meghan moins de 2 ans après leur mariage à Windsor.